Ce tranchet d'un marteau pilon sera donc réalisé à l'aide de deux aciers différents. Le manche sera en acier doux et la tête, qui recevra les chocs, sera en acier à ressort. Je vais commencer par souder ces deux pièces et commencer par réaliser un chanfrein sur chacune d'entre elles afin de favoriser la soudure au semi-auto.